une culture qui a été construite sur le malheur des hommes. Vous parlez de chansons créoles, vous parlez de cuisine créole. Oui, nous avons su faire à manger, nous avons su chanter. Oui, mais l'homme, des hommes que nous sommes, ces hommes qui cuisinent, qui chantent, ces hommes qui sont devenus des zombies, ces hommes effectivement qui traînent des blessures, qui relèvent de siècles peut-être qu'ils sont morts. Cette jeunesse, complètement désœuvrée, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas ce qu'il est. Aucun jeune ne sait ce qu'il est, aucun martiniquais, aucun noir ne sait effectivement d'où il sort, qui il est. Enfin, il le sait peut-être pour lui, mais ce n'est pas grâce à la culture créole. Donc je ne sais pas ce qu'on appelle une culture créole. Culture créole, c'est pas savoir. Une culture, c'est pas une cuisine créole. Une culture créole, une culture n'est pas savoir faire le bon plat, ni savoir faire de belles chansons. Une culture, c'est un mode de vie. Mais quel mode de vie nous avons? Nous sommes à côté de nous-mêmes. Et quand vous parlez comme ça, pourquoi vous voulez parler? C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte violent, autant pour le colon que pour l'esclave, selon vos pauvres dires. Puisqu'en fait, c'était le contexte qui était violent. D'accord, c'était la variation écologique valable pour l'esclave et pour le colon. D'accord, vous n'avez pas fait de distinguo. D'accord. Donc aujourd'hui, le Martiniquais, alors vous parlez de culture créole. Cette culture créole, où est la place de l'homme? Où est la place de l'être humain dans ses racines, dans son enracinement, dans son histoire, dans son identité? Quelle place est faite dans cette culture? Parce qu'avant tout, une culture, c'est ça. C'est l'homme qui est au centre de cette culture. C'est l'homme qui fait cette culture. Où est l'homme dans ça? Où est le Martiniquais? Où est le nègre? Où est l'être humain dans ça? Il est dans le mode de vie. Non, monsieur. Et vous le savez. Sinon, vous êtes en train effectivement de nier toute la souffrance de ce peuple, toute la souffrance du nègre. Vous êtes encore une fois en train de nous nier, en train de nous réaliser. Voilà, continuez le travail. Excusez-moi. Nous ne sommes pas là. Vous avez